Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour votre émission Le Débat qui reprend pour cette saison télévisuelle dans un nouveau décor, mais toujours avec des invités percutants pour décrypter l'actualité politique. Et cette semaine, nous avons deux thèmes pour vous. L'échec donc du dialogue politique inclusif majorité-opposition à l'initiative du chef de l'État. Nous posons donc la question aux invités, que faire maintenant? Et puis, rentrée scolaire sous le signe de la mise en œuvre du continuum, la mise en œuvre réussie du continuum, le miracle pour l'école burkinabé. Est-ce que le continuum est le miracle aujourd'hui pour notre école publique burkinabé? Donc, des questions que nous poserons à nos invités, déjà sur ce plateau. Madame Sandra Sérémé, la présidente donc du PDC sur ce plateau, bienvenue à cette émission. Merci à vous. Rarement nous recevons à l'émission Le Débat donc les femmes, et vous faites bien justement donc d'apporter notre coloration donc à ce plateau. Nous recevons également Maxime Caboret du PIB, le Parti indépendant du Burkina. Merci Maxime Caboret. Merci de m'avoir invité. En face donc Monsieur Michel Rabault, membre donc de la COSCA, la coordination des organisations de la société civile pour l'alternance. Merci Monsieur Rabault pour votre participation à l'émission. Merci. Et Siaka Koulibaly, toujours présent donc à l'émission Le Débat, analyste politique. Siaka, merci. Merci. Je rappelle donc les deux thèmes, l'échec du dialogue politique inclusif, que faire maintenant? C'est avec donc ce thème que nous commençons cette émission. Nous savons justement que, alors que l'échec, le dialogue n'avait pas encore atteint donc sa vitesse de croisière, que l'échec a été tout de suite prononcé. Nous savons aussi que les deux camps, majorité et opposition, s'accusent mutuellement, mais ces différents partis ont le même point commun, c'est donc leur ouverture au dialogue. Alors, faut-il croire en cette déclaration d'ouverture au dialogue? Sans la CRME, vous êtes politique, vous avez même participé donc à ce cadre donc de concertation initié par le chef de l'État. Lorsque l'opposition, vous personnellement, vous déclarez être ouverte au dialogue, faut-il croire en cela sur un point, par exemple comme sur l'article 37? Je vous remercie déjà. Évidemment que l'opposition est prête à aller à tout dialogue. Je pense que le dialogue est la base de la démocratie. C'est même le fondement de toute démocratie. Sans échange, sans dialogue, je pense que on ne peut que choisir d'autres voies et moyens pour résoudre les questions parfois préoccupantes de la cité. Et nous ne pouvons pas être dans un État républicain avec un esprit démocratique sans ne pas vouloir aller à un dialogue. Nous n'avons jamais été friands pour la politique de la chaise vide, d'ailleurs. Mais nous pensons que quand on part à un dialogue, nous allons avec des principes, nous allons pas pour être figés sur des principes, mais il y a un minimum de préalable qui doit guider tout dialogue. Article 37 ou tout autre point, je parle de la Constitution, est discutable, mais discutable dans quel sens? Maxime Caboret, ce n'est pas donc la première fois qu'il y a donc une tentative donc de dialogue. On se rappelle donc de la médiation autosaisie donc du groupe de médiateurs piloté par l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, qui a effectivement connu donc un échec. Quand vous regardez la classe politique aujourd'hui, sommes-nous véritablement prêts et ouverts donc au dialogue? Mais la question du dialogue, moi je pense que c'est primordial de pouvoir se parler, parce que même dans les grands conflits... Est-ce que véritablement on fait le dialogue? Il y a la suspicion, il y a vraiment déjà des a priori, il y a déjà, n'est-ce pas, la mauvaise foi, et puis surtout le manque de volonté d'aboutir à quelque chose. Quand on parle d'un dialogue, il faut aller avec, n'est-ce pas, le principe que l'autre aussi est sincère, parce qu'il faut se surpasser. Malheureusement, quand on vient avec des positions déjà figées, qu'on dit on va aller parler, mais surtout on ne va pas bouger sur ce que l'on croit être juste, mais je pense qu'on n'a pas le monopole de la vérité, ni le monopole, n'est-ce pas, en tout cas, du bien commun. Je pense que quand on y va, c'est avec la sincérité, en ayant vraiment à cœur d'être ouvert à l'autre, et puis de comprendre l'autre dans ses arguments. C'est clair.
Maintenant, ça demande vraiment, vraiment une prise de conscience et de nos responsabilités et de savoir aussi réellement si on veut qu'à l'issue de ce dialogue, vraiment, il aboutisse quelque chose qui pourrait vraiment être le socle commun. Je pense que quand l'opposition allait au dialogue, l'opposition n'est pas allée avec les pieds et mains liés. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a même pas de séminaire où on n'adopte pas des termes de référence. Et les termes de référence sont adoptés de manière commune, consensuelle. Mais dès les préalables, déjà, le jeu était biaisé. On était là juste pour décorer la galerie, pour faire semblant de mener un dialogue. Et après, c'était une charcuterie. On ne peut pas nous amener à un dialogue pour nous dire que vous venez pour mener des débats consensuels et les mesures consensuelles seront appliquées. Les mesures consensuelles, on laisse ça à la prérogative du chef de l'État. Quand je vais sur ce plan, je dirais que, disons donc, au Mali, où actuellement le chef de l'État, c'est un médiateur international, hein, reconnu pour ça, où les médiateurs, co-médiateurs, mais qu'ils disent à Ibeka de décider en dernier ressort, c'est-à-dire les gens discutent en Algérie, je ne sais pas moi, ou bien à leurs frontières, et qu'on dise aux MNLA, aux Touareg et tout, ainsi qu'aux autres, que la dernière décision revient au président malien. Je pense que personne n'irait dans ce jeu de dupes, tout simplement. Toujours donc, on commence toujours notre tour de table. Il faut quand même dire qu'il faut revenir à l'histoire. C'est quand même le Front Républicain qui a lancé l'idée du dialogue et le chef de l'État a initié ce dialogue. Et je pense que c'est quand même une avancée, qu'il ait quand même pris le soin d'inviter la classe politique à ce débat. Maintenant, c'est clair que, effectivement, nous ne sommes pas informés que ce soit le Front Républicain, parce que l'ADFRDA également réclame d'avoir lancé. Et nous-mêmes, il faut rendre à César ce qui appartient à César. D'accord. Mais je dirais quelque part, même si on parle, n'est-ce pas, de points consensuels, déjà là, vous n'êtes même pas arrivé à un point consensuel. Vous êtes arrivé, il y avait quand même déjà 5 points sur lesquels vous devez débattre, n'est-ce pas, et notamment les 3 autres points qui ont été ajoutés, c'est des points que vous avez souhaité, n'est-ce pas, à joindre. Maintenant, vous n'êtes même pas arrivé, n'est-ce pas, à ce débat. Il aurait fallu, effectivement, puisque certains disent que finalement c'était un piège, que finalement on savait très bien que ça allait capoter. Donc l'opposition, quand même, s'est fait piéger en refusant d'aller au bout de la démarche. Pas du tout. Et c'est clair que dans cette démarche. Pas du tout, monsieur Maxime Camoré. Vous avez, par exemple, participé à la CCRP, vous m'excusez, et vous savez très bien que dès l'entame du CCRP, vous qui venez en tant qu'opposition, je mets entre guillemets en ce moment, parce que la loi n'avait pas changé et tout, et c'est que ceux de la société civile qui participaient ont exigé savoir quelle était la définition du consensus. Qu'est-ce qu'on ferait des points consensuels? Qu'est-ce qu'on ferait des points non consensuels? Non, je vous dirais non. Vous attendez que je finisse. Et donc, dès les préalables, nous l'avons déterminé ensemble. Ça, ce n'est que le dernier dialogue que nous venons de finir. Et donc, pourquoi cette fois-ci, vous estimez que nous devons aller les yeux fermés, bandés? Et malgré d'ailleurs qu'on a dit que ce consensus, même quand une seule personne est contre, la position devient non consensuelle. Malgré qu'on a dit ça, on a vu que les résultats ont été tripatués sur plein de points. Et pourquoi aujourd'hui vous voulez qu'on aille les yeux fermés? Je vais vous dire une chose. Désolé. Moi, j'ai toujours dit clairement l'article 37 n'est pas un point consensuel et je reste constant dans ma démarche. Mais je dis clairement, pas parce qu'il y a eu des points non consensuels qu'il faille, n'est-ce pas, laisser les choses en l'état et ne pas discuter. Notamment la peine de mort, c'était un point non consensuel. Les questions des candidatures indépendantes, c'est des points non consensuels. Alors donc, il faut dire simplement parce que c'est non consensuel, donc le débat est clos et il faut pas discuter. D'accord. Non, il faut tout discuter. Maxime, vous m'étonnez. Ce n'est pas ce qui avait été demandé au CCRP. C'est la déclaration du chef de l'État qui, à la fin du CCRP, qui est venu dire que les points non consensuels peuvent être toujours l'objet de débat. Mais je vous en prie, on ne change pas les axes d'un match à la fin du match, c'est même pas au cours du match, à la fin du match. Non. Mais en ce moment, au CCRP, pendant le CCRP, on avait dit reste à l'État et vous étiez d'ailleurs le premier pour être pour. Et donc aujourd'hui, votre position, Maxime Caboret, je suis obligé donc de vous arrêter sur ce point-là. Je suis constant. Monsieur Labour, alors dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez donc le niveau du débat, surtout les partis qui sont campés donc sur leur position, est-ce que le dialogue est nécessaire et même indispensable? Bon, je pense qu'ici, on ne va pas revenir sur l'indispensabilité du dialogue. Dans notre contexte aujourd'hui. Le problème, est-ce que le président de la République, au stade actuel de notre passé, était la personne habilitée dans le cas précis pour trancher les problèmes qui ont été soulignés? Parce que le président du FASO
et en même temps, le problème et la solution que nous sommes en train de traîner comme un boulet depuis plus d'un an et demi. Maintenant, que ce soit lui qui convoque et la majorité et l'opposition, l'idéal aurait voulu que, n'eût été le respect du fait que ce soit notre président, il devrait venir s'asseoir à la table comme tout le monde. Tout à fait. Tout à fait, parce que sur ce plan, c'est lui qui a besoin que l'article 37 soit modifié. Cependant, et nous, au niveau de la société civile, on veut être clair par rapport à l'article 37. Je pense qu'au niveau du CCRP, ça a été l'un des points non consensuels au niveau national et au niveau régional. Et le chef de l'État, s'il voulait respecter et en fait, la vision un peu des citoyens de ce pays, il fallait même plus qu'il revienne sur l'article 37. Parce qu'on ne pourra jamais avoir de consensus. Le seul consensus qui vaille autour de l'article 37, c'est de le laisser en état. Je pense que sur ce plan, pour quelqu'un qui vit dans ce pays et qui connaît les contradictions que les Burkinabés ont vécues depuis 1987 jusqu'à nos jours, on n'a pas besoin de revenir sur l'article 37, dont la constitution de 1991, en réalité, déjà permettait la limitation des mandats. Et le président Compaoré, par le truchement un peu de ces négociations, a pu régulièrement charcuter, galvauder cette constitution, surtout en son article 37. Et nous, nous sommes de ceux qui disons que, dialogue ou pas dialogue, ils n'ont qu'à comprendre que l'article 37 doit rester en l'état pour que l'année prochaine, le Burkina connaisse une alternative. Cheikh Koulibaly, justement donc, sur la question donc, de la nécessité donc, du dialogue, nous faisons donc le tour de table sur la question. Tellement de choses ont été évoquées sur ce dialogue que je pense qu'il est indispensable de mettre sur la table un certain nombre d'éléments qui sont cardinaux pour notre démocratie. Dans le principe, le dialogue est nécessaire parce que cela contribue à animer la démocratie, cela contribue à faire connaître les positions des uns et des autres à travers donc ces échanges qui se déroulent. Maintenant, est-ce que les formes du dialogue que nous sommes en train d'expérimenter sont conformes à une réelle volonté d'aboutir à une évolution quelconque sur l'un ou l'autre des points qui sont soumis au dialogue? Je pense que la médiation de l'ex-président Jean-Baptiste Ouédraogo aurait dû être une source d'inspiration pour la classe politique aujourd'hui, afin qu'on ne... on n'initie pas un autre dialogue pour rien. Malheureusement, nous sommes tombés donc dans ce travers-là. Et puis aujourd'hui, on a consommé une opportunité de parvenir à un dialogue. Alors, les uns et les autres se rejettent la responsabilité. N'étant pas acteurs politiques, nous sommes obligés de compter les points. Et là-dessus, il faut dire qu'un certain nombre d'aspects de ce dialogue quand même péchaient dès le départ. Le fait de ne pas avoir eu des termes de référence avant donc d'initier le dialogue, à mon avis, était un péché de conception. Du coup, on a évolué par à-coup. D'abord, une invitation pour initier le dialogue. Ensuite, l'annonce de la coprésidence pour le dialogue. Ensuite, les points de l'agenda. Et puis, à la quatrième reprise, on a essayé donc de discuter du sort qui serait réservé à chaque point discuté. Et c'est là où on n'a pas pu avancer parce que les uns et les autres n'étaient pas d'accord sur... Mais pour le Burkinabé, c'était prévisible, justement, donc, bien sûr, la question. C'était prévisible parce que, non seulement les termes de référence manquaient et que c'était une des conditions d'échec, mais en même temps, on peut se demander pourquoi aussi l'opposition est même allée aux deux ou trois rounds, notamment en acceptant la coprésidence, en acceptant l'agenda, jusqu'à ce point. Parce que, à mon avis, dès le départ, les termes de référence n'ayant pas été donnés, c'était une des raisons pour ne même pas engager les pourparlers, en demandant qu'on mette en place des termes de référence clairs, qu'on définisse le cadre dans lequel le dialogue va se passer, et surtout qu'on définisse quel sort serait réservé, quelle modalité d'application on va adopter pour mettre en œuvre les points consensuels ou non, qui sortiraient donc comme conclusion. Quand le président du FASO a rencontré notre première délégation, il n'y avait pas de termes de référence. Nous avons exigé avoir des termes de référence avant d'aller. Et des termes de référence nous ont été soumis, mais c'était plutôt de la provocation. Okay. Ce qui était, il y avait trois points où on nous relevait la légalité
de la révision de l'article 37. Deuxième point, si oui, comme s'il n'y a pas sinon, si oui, comment maintenant pouvoir la réviser de manière consensuelle, et ensuite les modalités de mise en œuvre en quelque sorte du Sénat. Mais en fait, tout était dans le cadre positif, comme si tout coulait de soi. Pour un dialogue, là, c'était quand même criade comme provocation. Et nous l'avons relevé à la deuxième rencontre avec le chef de l'État qui a dit non. Lui, il ne voulait même pas donner des termes de référence, l'opposition a exigé. Mais ce n'était que pour nous guider. Mais à nous de nous asseoir, arrêter des termes de référence ensemble, puisque de toute manière, les termes de référence, même si vous l'avez, après, vous l'adoptez. Et c'est ce que nous avons fait maintenant en adoptant les trois points, en les reformulant, en mettant la question de la révision de l'article 37 pour essayer, parce que nous aussi, on avait fait des propositions dans la négativité, ça ne servait pas. Et maintenant, le débat allait s'ouvrir pour ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et puis on verra comment évoluer de manière consensuelle. La question maintenant de l'applicabilité du Sénat, de la mise en œuvre du Sénat, ainsi nous sommes allés à la participation des jeunes, les élections, quant à la CENI, la question de la CENI, ainsi que le Conseil constitutionnel, où nous estimons que dans son fonctionnement, il y a des points qui seront revus. Donc, en vérité, nous avons reçu la veille, il faut le dire, les termes de référence, mais qui étaient vraiment provocateurs. Mais nous, nous avons voulu prendre de la hauteur pour montrer, et surtout que le chef de l'État lui-même a dit que ce n'était que pour nous guider. En fait, au dialogue, on a travaillé à avoir un esprit sain, et empreint de courtoisie, mais évidemment, nous qui connaissons plus la barque et ceux qui étaient en face, non, c'est une vérité. C'est une vérité, puisque aujourd'hui, mais bien sûr, et nous l'assumons. C'est tout cela qui fait aujourd'hui notre personnalité. C'est un plus, c'est un ensemble, c'est une expertise qu'on a de gauche à droite et qui nous permet d'être là. Avant d'être là-bas aussi, on était dans l'opposition, on était dans les prisons, quand d'autres aussi étaient ailleurs. Évidemment. Donc, on ne veut pas revenir sur tout ça. Mais c'est pour dire, par exemple, sur cette question-là, vous savez très bien que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est dans la majorité, dans l'opposition, qu'on soulève cette préoccupation. Parce que la clôture du CCRP, avant que le président ne fasse son discours, Maxime sait très bien que c'est moi qui ai parlé au nom de l'opposition, pour dire aux gens que nous ne sommes pas venus pour traiter des questions non consensuelles. Nous sommes là pour traiter des questions consensuelles. Et ça m'a valu ce que ça m'a valu. Parce que, pour certains, c'est moi qui ai fait bloquer, justement, l'adoption de cette révision, parce que c'était la diaspora qui posait le problème. Et c'était en tant que majorité que nous avons dit ça, parce que pendant tous les travaux, jusqu'aux régions, jusqu'aux assises, on a traité en disant les points non consensuels restent en l'État. Donc on n'allait pas revenir et remettre tout en question. Et vous étiez le premier à vouloir même vous offusquer. C'est vrai que sur différents plateaux, vous avez expliqué votre démarche. Maxime Kabore, est-ce que... Non, on ne va pas peut-être répondre à ça. Nous avions une question. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans un scénario prémédité, par exemple, par le chef de l'État? Rappelez-vous de ce qu'il avait déclaré à Dori. S'il n'y a pas de consensus national sur la question de l'article 37, on pourrait aller vers un référendum. Moi, je parle toujours du principe, je ne suspecte pas le mal chez l'autre. Donc, je parle du principe que les gens sont sincères. Maintenant, ce qui a manqué, c'est que réellement, tout le monde savait que cette histoire n'allait pas aboutir. Vous êtes parti simplement parce que l'opinion nationale et internationale vous en voudrait, n'est-ce pas, si vous ne partez pas au dialogue. Donc, vous êtes arrivé parce que, avec des pieds de plomb, c'est de la suspicion. Tout le monde change, tout le monde évolue. Exactement. Et donc, on a cru vraiment à une volonté réelle d'aller de l'avant pour l'intérêt du Burkina Faso, au-delà de tous ceux qui gravitent là. Attendez, qui pompe et qui sire là, il y a quand même le chef de l'État qui est le seul garant de cette cohésion nationale, de cette unité nationale que nous avons élue. Nous, c'est le chef de l'État. Et comme il a voulu qu'on y aille, c'est lui qui a initié, il est venu lui-même s'asseoir, introduire. On s'est dit que cette fois, il ne l'a jamais fait d'ailleurs, même au CCRP. Et cette fois, c'est la bonne. Donc vraiment, ne vous en faites pas. Avec tout le respect que je vous dois, nous on l'a respecté, on y croyait. D'accord, mais quelque part, je me dis clairement, quelqu'un initie le débat, vous invite à ce débat. Lorsque vous terminez, de toute façon, il y a des points consensuels,
et on va voir des modalités d'application et les conditions consensuelles, mais vous laissez la liberté à la personne qui a initié le débat d'en faire ce qu'il en veut. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, imposer en disant les conditions consensuelles là restent en l'état. Et ça, c'est quand même terrible. C'est là que je trouve que quelque part, c'est un peu aller très fort. Alors que de vouloir imposer, n'est-ce pas, dès le départ, ce préalable. C'est terrible, pourquoi tu étais au CCRP? Pourquoi vous avez mis des préalables au CCRP? Ça m'étonne que vous dites ça aujourd'hui. Pourquoi il y avait des préalables? Et c'est ces préalables qui nous ont permis, jusqu'à présent, après la relecture de la Constitution, que l'article 37 ne soit pas relu. Et qu'aujourd'hui, l'article 37 est en l'état et qu'on cherche encore à la tripatuer. Je vous rappelle que je suis toujours contre la modification de l'article 37. Mais je ne sais pas ce que vous le dites. Je le dis toujours, moi je suis constant. Je dis clairement, on ne peut pas non plus imposer au chef de l'État qui demande un débat. Mais alors, ne convoque pas un dialogue. Okay, d'accord. Parce que quand on convoque un dialogue, on sait très bien que les autres qui viennent, ils ont des avis et qu'il faut les respecter. C'est vrai qu'avec les vous Madame ne convoquez pas un dialogue avec en estimant que non, en définitive, je suis le dernier à assumer. Mais en ce moment, assumez vos prérogatives parce que nous, on ne peut pas l'empêcher. Qu'il le fasse, c'est son droit et sans nous consulter. Mais nous consulter. Alors, est-ce que ce n'est pas lui qui a mis fin au dialogue? Non. C'est vous qui avez demandé le dialogue. Je suis désolée. Mais donc, c'est lui qui a mis fin au dialogue. Mais non. Je dis parce qu'il faut noter que nous n'avons pas de modérateur dans la salle. Le modérateur qui nous avait été proposé, évidemment, ne faisait pas l'affaire. C'était impossible. Nous avons vu même au CCRP comment ça a été. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre un médiateur qui est dans un des camps. Nous ne proposerons pas à un de l'opposition, ni eux non plus. Et donc, on s'était dit qu'on aura le temps de chercher un médiateur, même si c'est international et le chef de l'État n'était pas contre. Il n'était pas là avec nous en tant que médiateur. Mais on est resté à la présidence parce qu'on estimait que c'était sous sa coupe. Ce qui suppose que, d'ailleurs il l'a dit, dès qu'il y a quelque chose, faites-nous signe. Dès qu'il y a un blocage, je suis à côté. Et c'est pour ça d'ailleurs on est resté à la présidence, même si notre base ne voulait pas. Même si on avait demandé, qu'on nous avait promis qu'on irait à Ouaga 2000, dans un lieu neutre. Et ils étaient en train d'aménager la salle. Et c'est pour cela que nous avons dit si, dans l'espoir que nous sommes même allés voir l'ADFRDA à l'avance, une délégation officielle, pour que les gens comprennent qu'on n'est pas dans... l'objectif dans une vision de fracture. Et nous avons exposé notre point de vue, à la majorité également. Et en salle, officiellement, on a dit le point de vue, puisqu'ils savent qu'on partait, on a demandé une suspension pour aller consulter notre base. Donc, on a demandé à rendre compte. Et quand on a rendu compte, c'est tous ensemble qu'on a décidé, et surtout la majorité, bon, on va rendre compte à celui qui nous a invités, qui a initié le débat, pour qu'il décide en dernier ressort. Mais on est assis, chacun espérait qu'au moins il viendra ou bien il va nous rencontrer parce qu'il y a un petit blocage et essayer au moins de trouver une solution s'il y en a. Mais s'il n'y en a pas aussi, on saura de toute manière, on ne pouvait pas continuer dans ce débat comme ça. Et c'est en ce moment qu'on nous a fait savoir que le chef de l'État nous remercie d'avoir participé. Et bien nous, on le remercie d'avoir initié le dialogue. C'est toujours bon d'y avoir pensé. Mais la vitesse de croisière avec laquelle on l'a arrêté, je pense, montre que la population ou notre base ne s'était pas trompée. D'accord. Moi je voudrais, Maxime Kaboré, continuer sur une question. Est-ce qu'on peut rééditer aujourd'hui donc un cadre de dialogue à ce stade? Non, je pense qu'il y a trop de tensions, il y a trop de suspicions. Il faut que les esprits se calment, que chacun retrouve la raison, que chacun mette un peu de l'eau dans son vin, et puis que chacun voit l'intérêt supérieur de la nation. Je crois que c'est ce qui importe le plus. Le problème, c'est qu'il y a des considérations partisanes qui font que par moment, les populations n'ont pas besoin de ça. Les populations ont besoin, n'est-ce pas, des projets de développement, d'autres choses, ils ont des soucis au quotidien et qui n'ont rien à voir avec ces débats qui sont vraiment un peu mesquins. Et puis, c'est des débats un peu, je dirais, ça touche toujours aux questions de personnes. Il faut quand même qu'il y ait une élévation. Et je pense qu'il faut laisser tasser les choses et on reste toujours ouvert. Moi, je reste toujours un homme ouvert au dialogue et je pense que c'est la meilleure façon. Parce que comme j'ai dit au début, même dans les guerres, on termine toujours par le dialogue. Autant qu'on passe par le dialogue pour éviter, n'est-ce pas, de devoir, n'est-ce pas, faire souffrir le peuple burkinabé, en tout cas, par des affres qui ne sont pas de nature à faire avancer les choses. Donc, il serait difficile donc, de rééditer donc, un cadre de dialogue en le temps court. 2015, c'est pour bientôt. Les choses sont claires maintenant. Puisque personne ne veut discuter maintenant là, il faut maintenant l'arbitre suprême, comme je dis dans une démocratie, et je pense que ça va encore bondir, c'est le peuple souverain, article 32. Et le peuple souverain peut trancher. Moi, je suis contre la modification, mais il y a des gens qui sont pour la modification. Malheureusement, la société civile à l'époque n'a pas rendu l'article 37 intangible.
Ça, c'est encore une erreur, n'est-ce pas? Même si aujourd'hui vous clamez pour l'alternance, effectivement, il aurait fallu effectivement mettre la titre enceinte, mais la titre non révisable, la titre 65, là. Maintenant, ce qui est certain à l'époque, et puis d'ailleurs même certains, même déjà même du mouvement du MPP, disent clairement que c'est une question juridique, mais c'est une question d'éthique et de respect de parole donnée. Mais on sait très bien qu'en politique, c'est une question de rapport de force. Donc je pense que... Okay. Justement, moi je voudrais... Donc il faut s'en référer au peuple souverain pour trancher cette histoire-là, puisque les politiques n'ont pas réussi à s'entendre là. Et le président l'a dit à Dori qu'il va solliciter la classe politique. Voilà, et si jamais on ne s'entend pas, l'intérêt. Et il va faire appel au peuple là, et je pense qu'il est bien expliqué. Mais je pensais que nous étions dans un scénario prémédité, que le dialogue n'était qu'une étape. Monsieur Michel. On a tenté, mais vous n'avez pas voulu. Et en analyse, en fait, de ce que nous voyons à l'échelle de notre pays, il faut avouer que, je dirais qu'à 99,99%, ce dialogue ne pourra pas aboutir. Parce que tout simplement... Et ça, on l'a déjà dit. Oui. Oui, justement. Est-ce que vous pensez qu'il faut donc faire recours donc, au peuple? Maxime Kabouré déclare tout à l'heure qu'effectivement, il serait difficile de rééditer un cas de dialogue. Alors que le président Compaoré, lui, déclare qu'on pourrait poursuivre donc, le dialogue sous d'autres formes. Oui, c'est lui qui le dit. Il dit qu'il va peut-être poursuivre le dialogue sous d'autres formes. Parce que vous m'avez posé la question, est-ce que dans le cas précis, on va peut-être demander à ce que le peuple peut-être se détermine à travers peut-être un référendum, mais la vraie question qu'il faut se poser, notre constitution reconnaît le référendum. Mais le référendum en question actuellement que le président de Faso veut exercer, c'est pas celui-là que nous reconnaissons. Parce que c'est ça tout le problème. Parce qu'actuellement, entendre les gens parler, on a l'impression que l'opposition refuse en fait le référendum. C'est archi faux. C'est le référendum intitulé en question pour remettre le président Compaoré en selle pour 2015, là, qui est discutable. Parce qu'aujourd'hui, s'il part au référendum, il ne doit pas bénéficier de la modification de l'article 37. Non, mais ça, c'est votre interprétation. Non, non, parce que tout simplement... La question, l'article 49 existe bien dans la Constitution. Il est question d'intérêt national. Si vous pensez que l'institution présidentielle n'est pas une question d'intérêt national, et vous ramenez tout à la personne du président Blaise Compaoré, vous êtes un réducteur. Non, mais c'est Kabouré. Je crois qu'il faut quand même déjà... Mais c'est Kabouré. Laissez-moi continuer. Oui, vas-y. Parce que si nous restons dans votre manière de voir la chose, on est en train peut-être de dire au Burkinabé que le président Compaoré est immortel. Qui vous a dit ça? Parce que tout simplement, l'article 49, où on dit par exemple qu'il peut appeler au référendum pour une question d'intérêt national. Mais dites-moi, l'intérêt de qui a intérêt à ce que l'article 37 soit modifié? C'est le président Compaoré. Il y a tout un parti aussi. Hein. Non, attention. Ah non, l'intérêt national ne peut pas être confondu. Non, attention. Monsieur Kabouré. Non. Il ne faut pas balayer d'un trait de revers tous ces Burkinabés qui veulent, n'est-ce pas, effectivement, qui sont modifiés. Même si je suis contre la modification, il faut reconnaître cela aussi. On parle français et je pense que les questions d'intérêt national peuvent se définir. Si aujourd'hui on me parle de la scolarité, si on me parle de la question de la santé pour tous, si on parle d'une question de frontières qui intéresse le Burkina Faso, ça dit que Blaise Compaoré se retire ou pas, cette question reste. Ça, c'est une question d'intérêt national. Mais quand cette fois-ci, excuse-moi, la stabilité est engendrée, la déstabilisation est engendrée par qui? À cause d'un individu, fût-ce le chef de l'État et le président du Faso. Aujourd'hui, le chef de l'État dit qu'il ne se présente pas, le problème n'existe plus. Donc, ce n'est pas une question d'intérêt national. C'est une question d'intérêt clanique, d'intérêt partisan et d'intérêt individuel. Alors que la Constitution est claire, on ne peut pas personnaliser le pouvoir républicain au Burkina Faso. On ne peut pas tripatouiller la Constitution pour des questions d'intérêt individuel. On ne peut pas aujourd'hui me définir, on ne parle pas chinois, ni anglais, ni japonais, on parle français. L'intérêt national a sa définition. Maintenant, ce n'est pas l'institution présidentielle. Aujourd'hui, dans tout le Burkina, c'est la question de Blaise Compaoré qui est posée. Sinon, tout autre individu peut se présenter. Et parce qu'il a bénéficié largement de tout ce consensus qui lui a permis d'être là. Et nous lui en savons gré, nous le respectons pour ce qu'il a fait pour le Faso, mais nous estimons justement qu'il n'est pas immortel. Et d'ailleurs, il a eu une déclaration où il a osé dire qu'il ne voit pas, qui d'autre peut le remplacer. Il est inquiet de cela. Quand il partait aux États-Unis, il a fait cette déclaration dans la presse. Tout le monde est monté au créneau. On s'est dit, mais le pouvoir est réellement en train d'être
personnalisé. Et notre constitution estime cela comme le plus grand crime. Non, si, d'accord, je suis désolé. La du président, non. C'est le souci par rapport, n'est-ce pas, à la stabilité. Quel souci et la il n'était nationale. Pas là, le Burkina Faso vivait, existait. Aujourd'hui, que... il va assumer. Un jour, lui, il doit être fier d'avoir préparé une relève digne. On va dépasser. Non, on dépassionne. Madame Sarah, on revient donc à l'éternel débat sur lequel on avait interrompu l'émission il y a un instant. Et il n'a pas œuvré à ce que cette relève digne puisse assurer le bien-être des populations avec son conseil. Pacifique. Quelle transition vous a dit qu'il a voulu mais qu'il le fasse jusqu'en 2015, mais c'est tout. Écoutez, on a encore un an pour qu'il prépare sa transition. Séka Koulibaly va justement donc s'exprimer sur le sujet. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il faut donc laisser donc le rapport de force jouer? Si est-ce que vous pensez qu'on peut rééditer encore le dialogue? Et quel type de contenu faut-il mettre? Y a-t-il des points encore à négocier? Maxime Kabore parlait donc d'une transition pacifique. C'est sur ce point faut-il aller maintenant? Non, moi je l'ai déjà dit. Depuis l'échec de la médiation conduite par l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, j'avais déjà estimé que les conditions du dialogue national n'existaient plus. On a voulu me faire croire le contraire en convoquant un nouveau dialogue et cela a été confirmé. Tant qu'on va rester entre acteurs nationaux, il ne sera plus possible de conduire un dialogue. Il faut un médiateur international? Non, pas seulement un médiateur international. Il faudrait que la communauté internationale, si elle estime qu'il y a des risques d'instabilité au Burkina Faso, se saisisse du dossier comme une crise sociopolitique pouvant conduire à des dérives sécuritaires. En ce moment, les Nations Unies peuvent ouvrir un dossier au Burkina Faso dans lequel on va inscrire un dialogue politique. En ce moment, on aura des forces qui soient à égalité, mais surtout où les conclusions seront appliquées. Si on n'a pas ces conditions, je pense qu'il n'est plus nécessaire de parler du dialogue, parce qu'entre acteurs nationaux, cela n'a plus de signification. Ensuite, il y a le fait que le dialogue n'ayant pas eu lieu, on est obligé de faire l'association avec la déclaration du chef de l'État à Dori, le 12 décembre 2013, où il disait que si les politiciens ne s'entendaient pas, il y aurait recours au référendum. Mais on peut aussi se dire, si les politiciens nationaux ne s'entendent pas, on peut aussi recourir aux institutions internationales. Et d'ailleurs, je pense que la société civile aujourd'hui gagnerait à appeler officiellement les Nations Unies à prendre en charge le dossier burkinabé. À ce moment, on équilibrerait les propositions. Référendum national pour trancher le fait que les politiciens ne s'entendent pas. Ou médiation internationale pour trancher le fait que les politiciens... Les choses sont aussi simples que ça. Il y a ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas là. Mais de quoi avez-vous peur? Le peuple est souverain. On va vers le peuple. Nous ferons campagne pour le non, parce que je suis contre la modification. Et ceux qui sont pour le oui, feront. Non, mais c'est clair. Parce que vous dites comme ça, madame. Mais enfin, hier, c'était vous qui étiez, n'est-ce pas, parmi les chants de ceux qui défendaient la modification. Ah, bien sûr. Maintenant, c'est clair que les circonstances vous ont amené maintenant à avoir une posture. Je ne comprends pas très bien. Donc, mais je ne vous fais pas de reproche. Parce que si vous allez me faire ramener dans ce débat, oui. Je vous rappelle très bien que même lors des débats, ceux qui sont aujourd'hui avec vous n'osaient pas prendre la parole sur cette question de l'article 37. Si dès le début, nous avons accepté que le refus d'une seule personne pouvait rendre la question non consensuelle, c'est qu'on savait qu'en allant même à un dialogue, cette question était d'office une question non consensuelle et non applicable. Donc, même si Maxime, aujourd'hui, vous voulez user de mauvaise foi, vous devez savoir, vous devez savoir, je vous le rappelle encore, que j'étais celle qui a pu bloquer cela aux assises, en rappelant qu'on ne revient pas sur les questions non consensuelles, malgré la volonté de la diaspora de revenir tripatouiller ce que nous avons arrêté ensemble de manière consensuelle. Donc, vous êtes très bien placé. Excusez-moi que je continue. D'accord. Je vous en prie, j'ai la parole. Bonne foi doit être reconnue. Vous n'êtes pas content, vous me laissez terminer, je vous en prie. Je vous en prie, vous me laissez terminer. Donc, ce que je veux vous dire, aujourd'hui, nous assumons, et c'est nous qui sommes plutôt constants. Parce que même étant de l'autre côté, nous avons dit qu'on ne revient pas sur les points non consensuels. Et c'est filmé, c'est télévisé, il y a les CD, il y a les cassettes. D'accord, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais revenir sur ma position, parce que vous n'étant pas avec nous,
Vous ne saviez pas ce qu'on s'était dit après la crise de 2011. Personne ne savait même qu'on allait être toujours là. Donc les gens, le président du FASO n'était pas sur cette vision de vouloir rester. Et comme justement certains d'entre vous parlent de néo-opposants, c'est les néo-cédépistes et l'arbin là qui estiment aujourd'hui qu'ils doivent amener le président à rester pour profiter au maximum. Parce que le président du FASO n'a rien à prouver au Burkina Faso encore. Il l'a suffisamment fait. Personne ne lui dénie cela. Et nous pensons que nous cherchons à voir comment l'accompagner à sortir par la bonne porte. D'accord. Un point, parce que personne n'est indispensable au Burkina Faso. Maxime Kabore. Maintenant, par rapport à ça, je dis simplement, les points non consensuels. Moi, je suis contre la modification, je l'ai toujours dit, je suis constant. Je le dis encore aujourd'hui. Mais je dis clairement, à partir du moment où il y a des points non consensuels, on ne peut pas laisser les choses dans l'état, simplement parce que c'est non consensuel. Alors, on doit faire quoi? On doit laisser les choses comme ça? Non, je dis clairement, si on n'arrive pas à s'entendre effectivement, il y a le peuple qui est souverain qui doit trancher sur la question. C'est ce que je dis clairement. Maintenant, vous dites aujourd'hui, vous avez peur du peuple, vous avez peur du verdict du peuple, vous avez peur, n'est-ce pas, que le peuple, n'est-ce pas, s'exprime. Et chacun, c'est le camp du peuple. Chacun dit, j'ai le peuple avec moi. Mais de quoi avez-vous peur donc? Allons vers ce peuple souverain. Vous êtes le premier tout le temps à parler. Oui. Je pense qu'il y a longtemps que vous parlez de cette révision. Si vous saviez qu'on n'avait pas le peuple, on connaît le pouvoir. Ils auraient outrepassé il y a longtemps. Il y a longtemps, ils n'auront pas cherché un consensus, je vous en prie. Nous sommes très bien placés pour le savoir. Donc si jusqu'à présent, nous sommes dans ce débat, le président du FASO lui-même a dit, certains remplissent les stades, d'autres encore remplissent d'autres stades. Ça veut dire que personne ne peut aujourd'hui parler qu'on a peur du peuple. Parce que nous, on sort avec le peuple dans la rue. On sort avec eux, on n'est pas la rue, mais on a le peuple citoyen consciencieux qui se trouve avec nous. Et nous nous battons juste pour défendre les intérêts du Burkina Faso. Nous ne sommes pas pour que nous allons dans des coups d'État constitutionnels. Nous sommes toujours donc sur ce débat-là, mais si on envisageait par exemple un scénario que le Front de Résistance Citoyenne a proposé, en parlant justement donc d'une élection couplée, pour faire donc pour effectivement donc gérer la balance, l'élection présidentielle et le référendum en 2015. Est-ce une sortie de crise, par exemple, Michel Rabeau? Ok, l'élection couplée dont le Front de Résistance Citoyenne évoque, je pense qu'actuellement nous n'allons pas rentrer dans ces hypothèses-là. Et pour permettre aux gens, parce que déjà ça a créé la confusion dans la compréhension de certains citoyens, je pense qu'ici il va falloir être clair. On ne modifie pas l'article 37. La seule élection qui vaille au stade actuel de notre constitution, c'est la présidentielle de 2015. Que cela soit clair. Maintenant, si ils pensent qu'on peut coupler, de toutes les manières, je vois du gâchis à travers peut-être les bulletins qu'on va imprimer et même les gens qu'il va falloir sensibiliser, tout. Et encore, ça peut nous créer d'autres problèmes encore à travers ce référendum à froid, comme ils le disent. L'idéal, dans le cas précis, notre constitution n'a pas de problème en son article 37. Ça, il faut que ça soit clair, une constitution. Et je me dis que si le constituant originel a pris soin de limiter les mandats, c'est qu'il y a une raison. Et pour une première fois, respectons cet article en intégrité. Cheikh Koulibaly, sur la même question. Oui, je suis tout à fait sur la même longueur que Rabou, en disant que si nous allons jusqu'en 2015 sans avoir modifié l'article 37 avant, cette question va se poser effectivement à froid, mais avec d'autres perspectives. Et en ce moment, je pense qu'il faut aussi ramener même la question de la constituante, qu'on peut en ce moment analyser tranquillement pour voir dans quelle perspective une constitution qui a duré 24, 25 ans a besoin d'être retouchée. Et les conditions dans lesquelles il faut les retoucher, les directions dans lesquelles nous pouvons avancer, on peut y réfléchir en 2015, mais vu la nature des tensions qui existent là-dessus, moi je crois que évoquer le référendum avant ou évoquer la modification de la constitution avant l'élection présidentielle est porteur du risque d'instabilité. Et ça, on l'avait déjà défini auparavant. Les gens estiment que le référendum est légal. Je dis oui, il est légal. Mais sa tenue est porteuse des risques d'instabilité. Et pour cette raison, je m'aligne sur les positions de l'Église catholique qui également ne renie pas la légalité du référendum, mais estime que cela va entraîner des dérapages et ça va entraîner le Burkina dans une instabilité. Et pour cette raison, il vaut mieux ne pas aller dans ce sens-là. Et je crois que c'est la voie de la sagesse qui a fait que la plupart des Burkinabés
ne veulent pas qu'on évoque la modification de l'article 37. Ce n'est pas seulement une position politique, ni une position de légalisme ou pas, mais c'est les risques d'instabilité qu'on est en train d'envisager. Et en ce moment, moi je crois que le rapport de force a été établi. On sait aujourd'hui qui veut quoi sur la question du pouvoir politique. On peut donc aller tranquillement, à mon avis, à l'élection présidentielle de 2015. Et à l'issue, on verra comment on peut envisager les révisions constitutionnelles ou les constituantes, si vous voulez, pour améliorer notre démocratie. Maxime Kabore, cette proposition. Je pense que c'est une proposition, effectivement, qui a le mérite quand même d'être posée. C'est clair, hein, on ne peut pas toujours passer le temps à dire les mêmes choses. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'irréaliste, c'est clair. Je pense que les tensions sont telles. Il y a une volonté manifeste du parti majoritaire d'aboutir, n'est-ce pas, à la levée de la limitation du mandat présidentiel, ça c'est clair. Ils l'ont clairement affiché. Mais il y a une opposition, en tout cas, qui s'oppose. Et qui, bon, moi, de toute façon, je dis clairement, je suis pour le maintien de la tension à l'État. Mais ce qui est certain, les tensions sont telles que réellement, pour éviter vraiment quoi que ce soit. Au lieu de dire, n'est-ce pas, n'y allons pas, moi je dis non, il faut y aller en essayant de dire à chacun, n'est-ce pas, de se calmer, que les gens mobilisent leurs troupes, que ceux qui sont pour le oui fassent campagne pour le oui, et que ceux qui sont pour le non, comme nous autres, nous allons faire campagne pour le non, et que vraiment, bon, et maintenant, on s'en tiendra au verdict du peuple souverain. Moi je dis ça, parce que nous sommes dans un pays où nous pensons que la paix est primordiale et que chacun y gagne, et ce dont ont besoin, en tout cas, les populations, c'est de vivre dans la quiétude et de vaquer à leur occupation sans tomber dans les travers. Mais je pense que comme la tension est telle là, on ne peut pas passer l'économie en tout cas d'un référendum, même s'il sera coûteux. Tarasse Rémy sur la même question. Oui, ce que je voulais dire, c'est que parfois plusieurs personnes occultent que quand nous avons une loi dans nos textes, surtout dans nos fondamentaux, il y a la lettre de la loi, il y a l'esprit de la loi. Il y a l'esprit qui a guidé l'adoption de la loi. Nous avons adopté depuis 1991 notre constitution. Elle a été relue en 1997 pour essayer de débloquer. Très vite, en 2000, elle a été rebloquée. Et de 7 ans, on est allé vite à 5 ans. Je pense qu'on ne peut pas oublier ça. En 2005, quand les gens se posaient la question de la rétroactivité de la loi, on est revenu, le Conseil constitutionnel a permis au président Compaoré de se présenter. Et nous nous retrouvons en 2011 avec les crises de Koudougou et des militaires, a encore rappelé au CCRP que nous ne voulons pas qu'on relise cette loi, parce qu'elle est passée non consensuelle. Je pense que le peuple s'est suffisamment exprimé. Comme j'ai dit, en vérité, personne n'a peur d'aller à un référendum. Je ne vois même pas pourquoi on en aurait peur. Mais nous avons peur des conséquences des tripatouillages, des résultats du référendum. D'accord. Parce que la paix que chacun prône, au lieu qu'on le prône du bout des lèvres, que ce soit des actes. Il faut que nos actes soient en concordance avec nos discours. Nous savons très bien, au stade où est l'opposition actuelle, la société civile actuelle, le mouvement citoyen actuel, je le précise, parce que tous ceux qui sortent ne sont pas forcément inscrits dans un parti politique quand on sort pour marcher. C'est un mouvement citoyen, c'est le peuple qui s'exprime. Si aujourd'hui on s'amuse à mener des résultats biaisés, le pays que nous voyons, notre pays, le pays de nos ancêtres, que nous souhaitons tous vivre, évoluer dans la paix. Comme nous disons, les autres ont peut-être du pétrole ou autre, nous n'en avons pas au Burkina Faso. C'est la force de travail qui nous a fait construire. Et un président d'Assemblée nous disait, quand vous allez chez nous, quand vous voyez les bâtiments, c'est des bâtiments coloniaux. Mais ici, quand tu vois, mais tout est moderne. Ça veut dire que pour le moment, c'est nous qui l'avons construit. On n'a pas construit, on n'a pas hérité de quelque chose. Et nous ne pouvons pas prendre ce risque de mettre en péril cette paix-là. D'accord. Et nous, nous le disons, nous le proclamons, mais nos actes le prouvent, parce que depuis longtemps, on marche, on n'a jamais cassé, ce qui est incroyable. Même là, on s'arrête pour faire les discours, il y a des vendeurs de poulets et de brochettes qui sont à côté, qui ferment. Il y a le deuxième thème de l'émission que je voudrais qu'on aborde. Vraiment, c'est donc un tour de table pour terminer cette émission. Nous animons cette émission, bien sûr, au lendemain donc, de la rentrée scolaire 2014-2015, une rentrée scolaire qui a été faite sous le signe de la mise en œuvre réussie donc, du continuum. Ben, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais quand vous regardez justement donc, la situation donc, dans nos écoles primaires publiques, quand on prend par exemple les chiffres, c'est aujourd'hui c'est plus de 2 600 000 élèves
au primaire, moins de 60 000 enseignants donc, du primaire. Ça, c'est donc la rentrée scolaire 2014-2015 en chiffres. Alors, avec également donc, des problèmes comme le manque d'infrastructures, effectifs pléthoriques dans les salles de classe, mais aussi donc les efforts du gouvernement, gratuité donc, de l'éducation, des innovations telles que le continuum. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se poser la question sur la priorité donc, du système éducatif? Est-ce une priorité aujourd'hui quand vous regardez dans votre quartier? Bon, au niveau du système éducatif, surtout dans le cadre du continuum, il faut l'avouer, et nous sommes avec un régime depuis 87 qui est arrivé au pouvoir. Je pense que le taux de scolarité en 87 était autour de 32% si ma mémoire est bonne. Maintenant, ça veut dire qu'il y a eu suffisamment de blocage. Normalement, un pays comme le Burkina, bien beaucoup plus de 10, on devrait être peut-être à plus de 100%. Maintenant, il y a eu des manquements au niveau du système éducatif où on a passé tout le temps avec le PDEV, avec tout ce qu'on a contracté comme prêt et comme accompagnement au niveau des institutions internationales pour pouvoir avoir une société bâtie quand même sur l'éducation parce que c'est le pilier même d'une société. Aujourd'hui, le Burkina ne comptera pas dans les années à venir si nous ratons au niveau de notre système éducatif. Le continuum dont il est question, est-ce que le gouvernement actuel n'a pas péché dans l'exécution même de ce continuum? Aujourd'hui, nous sommes face à une rentrée scolaire où on a décidé que tous les enfants qui ont eu le certificat d'études primaires doivent forcément aller au moins, au moins 75% des admis aussi. Voilà, doivent aller dans une classe de 6e. La réalité, les enfants vont aller dans une classe de 6e. Il leur faut des enseignants. Et les enseignants, par exemple, à partir de la 6e, ce n'est pas un seul enseignant face aux enfants. C'est un corps d'enseignants pour dispenser les cours. Maintenant, qu'est-ce que l'État a préparé? Parce que pour moi, un projet aussi capital que le continuum devrait être bloqué depuis plus de 2 ans. Le problème des infrastructures devrait être réglé. Maintenant, à partir de maintenant, ça veut dire que les enfants rentraient dans ces classes-là. Quand je vois qu'on est en train de transformer des magasins, on est en train... Ça veut dire que... Sous Payotte, et en réalité, on a les moyens aujourd'hui. Je ne parle même pas sur le plan international. L'État actuel, avec une gestion saine, devrait pouvoir arriver à bout de notre système éducatif. D'accord. Sheikh Koulibaly a su la même question. Oui. Sans effectivement donc reprendre son analyse. Non, je veux dire simplement que pour moi, le continuum n'était pas la priorité en ce qui concerne les problèmes éducatifs que nous avons. Parce que, comme on l'a déjà dit, les priorités sont dans les infrastructures, mais surtout la qualité de l'enseignement. Qualité qui met l'accent donc sur les conditions de travail de ceux qui dispensent donc les programmes. Et à ce niveau, il faut dire que, à mon avis, si on met plus d'investissement dans les conditions de l'enseignement, à savoir les traitements des enseignants, leurs conditions d'existence, mais aussi leur encadrement, on peut aboutir à un meilleur résultat du système éducatif que si, par exemple, on s'en prend seulement au curricula. Parce que le continuum, c'est dans, la préoccupation, c'est seulement dans les programmes. Et là, je pense qu'on va avoir une accumulation de difficultés parce que le domaine de l'enseignement, c'est un des domaines prioritaires de l'évaluation de l'indice du développement humain. Et c'est ce point qui nous fait mettre parmi les derniers du monde. Donc il faudrait se pencher sérieusement sur la question de l'enseignement, éviter donc de mettre les efforts là où il n'est pas nécessaire, mais plutôt faire un diagnostic serein pour voir que l'infrastructure est très consommatrice d'investissement. Donc, et c'est justement ce que nous n'avons pas. Il faut peut-être envisager un type d'infrastructure qui soit moins lourd, mais qui soit opérationnel. Et ça, c'est possible. D'accord. On peut trouver un modèle d'infrastructure qui ne soit pas totalement en dur, mais qui puisse être opérationnel, et surtout que nous avons un contexte climatique qui le permet aussi. Et là, on va pouvoir avoir plus d'enfants scolarisés et mettre, deuxièmement, l'accent sur les conditions de l'enseignement, qui fera qu'on aura des enseignants mieux traités, et plus disposé à fournir cet enseignement qui entraîne des pertes de qualité pendant le temps passé. Du PDC, comment vous voyez donc, donc de l'éducation, vraiment en quelques minutes, en quelques secondes? Ah oui, là c'est compliqué. Oui. Mais déjà, par rapport à cette rentrée scolaire. Parce que nous estimons évidemment que l'éducation est l'arme la plus fatale qu'un pays dit pauvre, je dis bien de guillemets, comme le nôtre, peut utiliser pour sortir de son état
de pays pauvres. Et si justement ce domaine semble être bâclé, il y a un problème. Moi, quant au continuum, je pense que nous avons mis la charrue avant les bœufs. Pourtant, nous en parlons depuis longtemps, mais on a l'impression que cela nous est tombé sur la tête un coup, sans préparation. Ce n'est qu'à la rentrée des vacances au Conseil des ministres qu'ils ont commencé à lancer les appels d'offres. Non, à la rentrée des vacances, c'est-à-dire après août. En septembre. Voilà, en septembre, qu'on a lancé les appels d'offres pour la construction des infrastructures scolaires. C'est inimaginable. Vous savez très bien qu'il y a eu le PEDEP qui a permis à ce que le scolaire ait un grand taux d'élévation d'infrastructures et en tout cas de participation des enfants à l'école. Mais quand vous tenez compte de ces enfants qui se retrouvent parfois comme dans un bouchon au fur et à mesure qu'on avance, il y a un problème. Et aujourd'hui, on ouvre le ministère, le MENA, qui va jusqu'en troisième. En réalité, l'esprit du continuum, pour moi, est bien. Mais encore faudrait-il bien le développer, bien l'appliquer et préparer sa mise en œuvre. Sa mise en application n'y est pas. Moi, je serais même pour un ministère qui commence depuis le préscolaire, depuis les crèches, parce qu'on n'en parle pas au Burkina, pourtant il le faut pour aider les femmes à aller parfois. 3 mois de congé, et puis ton bébé tête, tu ne sais pas comment aller au boulot, il y a un problème. Mais ça fait partie du système éducatif. Hein? L'enfantine aujourd'hui, on n'est pas au stade où le préscolaire doit relever de l'action sociale. Moi, je suis pour que le préscolaire, depuis les crèches, aille jusqu'en terminale, avec un même ministère. Quitte à ce qu'il y ait des ministères délégués. Parce qu'aujourd'hui, dans les CEG, il peut y avoir pas de problème. Même bien que les enseignants n'ont pas envie de se retrouver détachés, parce que quand on est détaché, normalement, tu le demandes, mais de se retrouver détaché au MENA. Mais vous vous trouvez dans un lycée où tu as les mêmes enseignants qui enseignent, par exemple, entre la 6e et la 3e et également entre la 2e et la terminale. Ils sont gérés par qui? Par quel proviseur? Qui dépend de quel ministère par rapport à l'autre? On a vu aujourd'hui à la rentrée, il y a à peine quelques jours, que les enfants qui ont eu l'entrée en 6e ont su exactement quelle est l'affectation, où ils doivent aller. Ce n'est pas possible parce que tout simplement, le maître s'est désengagé et le MENA ne maîtrisant pas encore la question, il y a des problèmes. Je veux vraiment aller pour dire que il faut qu'on arrête de précipiter les politiques, les choses, et de les prendre à froid, d'analyser bien, d'annoncer, mais de mettre tout en œuvre avant de lancer le projet. C'est une bonne initiative, mais il faut le revoir carrément dans le fondement. Nous sommes malheureusement à la fin de l'émission. Même les infrastructures... On va permettre à Maxime Kabore... Nous avons vraiment des problèmes. On va permettre à Maxime Kabore, effectivement, donc, de donner effectivement son point de vue à propos de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, brièvement? Moi, je dirais que... En fait, finalement, c'est vraiment un problème récurrent et on a tout le sentiment que c'est de l'improvisation. C'est comme si vraiment on se réveillait au cours de découvrir les choses. Alors que non, il faut gouverner, c'est prévoir. Et je pense que dans cette situation, il faut non seulement avoir des enseignants qui soient bien formés, c'est clair, au niveau des compétences techniques, parce qu'on voit quand même déjà une disparité entre le public et le privé. Mais aussi, il faut des enseignants qui soient aussi valorisés. Donc en termes, n'est-ce pas, de reconnaissance, qui soit quand même déjà pas là à tirer le diable au bout du cul. Faut-il arrêter la mise en œuvre du continuum? Mais non, aucunement. Je pense quand même qu'il faut mieux l'accompagner. Mais surtout, troisièmement, il faudra même déjà qu'il y ait des enseignants qui soient motivés. Parce que quand on voit aujourd'hui, effectivement, les enseignants même déjà du public qui vont vite quitter pour aller dans le privé, parce que là, effectivement, ils vont avoir quand même déjà un peu d'argent et les enfants sont délaissés. Et je vois qu'il n'y a même pas cet amour pour les enfants. Il faut d'abord avoir l'amour pour les enfants, parce que dans le temps, il faut quand même transmettre un savoir, et il y a des enseignants même qui pleuraient parce qu'il y a un enfant qui échouait. Mais moi, il y avait une symbiose entre leur vie et en tout cas et puis celle des enfants. Là, aujourd'hui, on voit bien, non, finalement, mais il n'y a même pas cet amour pour les enfants, mais il n'y a même pas d'amour pour le métier. Non, on y va simplement en dernier recours, comme si simplement il faut trouver un emploi. Alors que non, enseigner, c'est vraiment avoir la vocation. Il faut que le ministère vraiment donne les moyens pour que cet enseignement-là soit vraiment un enseignement de qualité et de quantité aussi, parce que quelque part, il y a des filières techniques, par exemple, là, où il y a une pénurie d'enseignants. Donc, il faut vraiment travailler à résorber, en tout cas, ce reliquat et permettre que nous puissions avoir un avenir radieux pour notre pays, parce que sans l'enseignement, sans la culture, finalement, on va avoir des citoyens, n'est-ce pas, de seconde zone, Maxime qui ne pourront pas être efficaces pour l'émergence. Merci, Maxime Kabore. Vous êtes le président, donc, du PIB. Merci pour votre participation donc à cette émission.
à vous également, Madame Saran Sérémé, présidente donc du PDC, pour votre participation à ce débat. À M. Rabot, Michel, membre de la COSCA, et Siaka Koulibaly, analyste politique. Nous espérons vous retrouver pour d'autres occasions, hein, pour poursuivre donc les réflexions autour donc des questions nationales, mais aussi donc sur le système éducatif. Ce thème-là, on reviendra là-dessus dans une de nos prochaines émissions. Merci en tout cas à vous donc, de nous avoir suivis pour ce temps d'antenne, une émission effectivement où les esprits montrent donc le niveau donc du débat aujourd'hui donc de la société, surtout sur les questions essentielles comme la révision ou pas donc de l'article 37. Merci pour votre fidélité. Au revoir.